Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors les petits changements qu'il y a eu, c'est que déjà vous voyez, nous sommes dans la Twilight, dans une petite maison qui est en cours de construction d'ailleurs, comme tout le reste autour, vous pouvez voir. Alors là on va monter en haut et voilà à peu près ce que ça donne. Ici, il y aura du verre pour faire un petit puits de lumière. Là-bas, vous devez douter un petit peu qu'est-ce qu'il y a. On va aller voir quand même. Hop. Alors là, évidemment, il y aura des passerelles. Pas celle-ci. Au début, c'est ça que j'avais fait, mais ça me plaît pas trop. J'ai vu un autre style. Vous voyez là-bas. De toute façon, on va revenir. Alors là, il y a un petit escalier pour descendre nulle part. Mais ici, si on descend, on arrive dans la mine. Où ce qu'il y a beaucoup de diamants d'ailleurs. Hein. J'ai encore trouvé du diamant hier. Alors, hop, on remonte. On va revenir. Hop. Ah, on a loupé le saut. Hop. Donc, je me suis amusé à déplacer l'harvester, qui était justement là-bas. Il reste encore quelques barrels. Puis là j'entends une araignée. Il y a beaucoup de mobs qui spawnent, je sais pas trop pour quelle raison. Alors là-bas il reste les barrels et puis les coffres. Alors ce nouveau système, enfin ce l'harvester, comme je l'ai déplacé, normalement il est pratiquement automatique. On va faire un petit tour ensemble. Alors faut que j'arrive à passer. Alors nous avons le planteur ici, où ce que j'ai mis différents saplings. Vous voyez, ça c'est sapling rubber qui va nous permettre de récupérer le bois et de pouvoir planter du rubber et enfin récupérer le bois et puis le passer à l'extracteur pour avoir de la résine. Là il y a du barley, de la graine d'orge. Elle a du blé tout standard. Mais je sais pas si le blé d'orge fonctionne bien. Bon, en tout cas, c'est alimenté par des rednets. Et puis, il y a un transfert pipe qui envoie dans le système les graines. Alors, hop, normalement, ça doit être c'est celui-ci. Vous voyez, le filtre. Je vais pas l'enlever parce que j'ai peur que ça aspire, que ça occupe un peu de tout. Oui, voilà. Et c'est encore bondé. Le bois de jungle prend pas mal de place. Enfin, il n'y a pas que lui, il y a aussi le bois, ce bois-là. On va ranger ça. Et les barrels, il n'y a pas assez de barrels. Alors, il faudrait voir ça pour agrandir. Donc, alors, on a vu ce système-là, les rednets qui sont là, qui alimentent aussi celui-ci, et puis le slab boiler là-bas. Bon, je vais pas les faire un tour parce que j'ai peur d'attraper le petit poison. Alors, ce transfert pipe récupère. Non, excusez-moi, envoie le liquide qui récupère ici dans les tanks. Parce que l'harvester. Et voilà, je savais très bien qu'il y aurait un zombie qui allait débarquer. Ah là là. Donc, l'harvester dépose la boue dans ce tank-là, qui est récupéré par en dessous par un transfert node. Qui envoie ça dans le slab boiler là-bas. Ensuite, celui-ci le transforme et tout ça qui transforme est récupéré par ce transfert node, hop, qui revient ici et qui envoie dans le système de barrel. Alors, après par ici, le charbon qui est rangé là, du moins le bois qui est rangé là, qui est absorbé par le hopper qui cuit le charbon, qui l'envoie ici. Hop, le charbon qui est récupéré par en dessous et qui est envoyé ici, par là, dans les steam dynamo. Derrière, on a un transfert. Eh bien, il faut croire que les zombies, ça fait planter. Donc, je disais que l'eau était récupérée par en dessous pour alimenter le steam dynamo.
Bon, de toute façon, je crois que j'avais fini sur ça. Alors, comme vous pouvez remarquer, bah, ça a changé. Et oui, parce que j'ai travaillé cette nuit dessus. Vous voyez, on va faire un petit tour quand même, voir les changements qu'il y avait par rapport à l'instant. Bon, ici, j'ai mis de la glace. Bon, là, ça n'a pas changé. J'ai rajouté un coffre, mais ils se remplissent super vite, les barils. En tout cas, du charbon, c'est pas un problème. On en a, on en a, on en a. Peut-être tout de même remplir là-haut. Ah, ça, j'en ai plus besoin. Donc, oui, bah voilà. Bon, le petit souci avec ce système-là d'Extra Utility, c'est que si on met pas des upgrades, parce que là, il n'y en a pas, du coup c'est assez long, et vu que le réseau, en plus de ça, je l'ai agrandi, du coup ça ralentit énormément, comme la salle des coffres que j'ai pu faire dans ma petite base. Alors, entre-temps, bah, j'ai changé, on va aller voir ça, que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais été voir le planteur, il y avait... que des graines de blé nature, enfin de vanille. Là j'ai mis bah, du blé, enfin du blé, de l'orgie, de l'orgue, l'orgue, l'orge. Ouais, non c'est de l'orge, de l'orge, parce que du coup c'est récolté. Puis l'avantage, ah on veut pas, bon c'est pas grave, c'est qu'on peut faire carrément du pain. Et du coup si on veut faire du pain, bah plus qu'à le cuire et on aura du pain, comme j'avais pu expliquer dans une vidéo précédente. Moi, j'ai mis des barils pour stocker en plus. Donc, le système a un peu changé. Je vais vous expliquer. C'est que tous les barils qu'il y avait ici, je les ai transférés ailleurs. Alors, du coup, un petit, j'ai fait un déroutement. Alors, je sais même plus ce qu'il est. Voilà, c'est ici, tout en bas dans l'angle. Ça passe par ici. Ça redescend, ça tourne ici, hop, ça part par là, hop, ça part par là, mais ça part par là-bas, et ça va ici. Et du coup, bah, ça remplit les barrels qui sont déjà pas mal remplis. Ouais, pas mal du tout. Et ensuite, ça finit sa course par ici. La pluie un peu chiante. Ah, il a pris mon épée. Heureusement, j'ai une tronçonneuse. Voleur, mon épée. Ouais, je voulais couper la pluie, moi. Ah, carrément plus agréable. Puis on entend les loups. Donc, on arrive par ici. C'est rangé dans ce coffre-là. Bon, il faut voir, vous voyez, c'est pas tip-top bien rangé parce que normalement, il y a de la place encore là-bas dans les barrels. Il va falloir que je trouve un autre système de rangement carrément mieux parce que Extra Activity, c'est bien pour des petits trucs, mais là, des grands, c'est un peu. Des grands systèmes de tri, c'est pas tip top. Donc alors, j'ai éclairé et j'ai mis des carpettes. Tiens d'ailleurs, F7. Ah non? Oh, ouais, bah, je crois que le portail Light fait de la lumière. Bon, tant mieux. J'ai mis des carpettes. Là, c'est des dalles. Du coup. Non, ici, j'ai éclairé. Ici, c'est des demi-dalles. Et hop, ici, on va là-bas. On va faire un petit tour quand même. Par ici. Bon, il faudra que j'arrive à trouver une... ce qu'il touche pour pouvoir mettre de l'herbe, parce que là ça fait un peu moche. Bon, hop, cul-de-sac. On va faire le tour de l'autre côté. Voilà, cul-de-sac aussi. Après, du coup, ici, bah, la mine. D'ailleurs qu'il faudra que je m'y remette, mais les turtles, c'est notre ami Bibix qui les a mis, je sais plus trop où. D'ailleurs, je vais peut-être aller voir.
Il va falloir que je prenne du bois parce que s'il n'y a pas assez de coffres. Bon, c'est quand on va aller voir ensemble du coup. Sur la map, je peux voir où est-ce qu'il a pu mettre. Oh, tiens, oui. Ah oui, non, ça c'est les tours. Alors ici. Alors il y a un dôme. Là, en fait, on voit tout à ce niveau-là. C'est cool ça. Alors là, c'est là ce qu'on avait miné. Enfin, le dôme qu'on avait miné. À vrai dire, je sais pas du tout ce qu'il a mis. Je pense qu'il faut peut-être que je me déplace. Je pense pas que c'est actualisé en heure, ça. Temps réel, je voulais dire. Parce qu'en heure, ça veut rien dire. Bon. C'est pas grave. Non, moi aussi, il y a un truc comme ça. Junk. L'odeur. Alors non, ça va m'ouvrir la fenêtre. Alors, je vais regarder. Bon, j'en profite, je vous fais voir. Alors, quand vous tapez le chunk loader, bah, vous avez ça qui apparaît. C'est une petite fenêtre en mode Java. Et du coup, bah, ça vous dit tous les chunks chargés. Bon, ici, vous voyez le petit point bleu, c'est moi. Et toute la zone ici, c'est dit que c'est chargé avec un chicken chunk de Monsieur Jim ici. Normalement, c'est le chicken chunk de Bebenode. Alors, du coup, là, on peut voir approximativement les coordonnées 1200, 256. Hop, je retourne dans le jeu. Alors, ça doit être nous, Néo. Bon, on est là, le point bleu. Ah, et puis, il y a énormément de mobs. Je sais pas si c'est à cause du chunk loader. Mais... Bon, bref. Alors, ils ont un truc, il doit être bah, peut-être par ici. De toute façon, je vois le seul endroit. On peut aller voir ici, c'est plus proche. Alors, je sais pas si... Ah, bah si, je peux voir. Ouais, bah si, c'est là. Bon, je pense pas que je vais aller voir. Oh, quoique. Allez, si, on va les tenter quand même. On va récupérer du charbon. Ouais, si jamais. Et du bois. Bon, un stack, ça devrait largement le faire. Comme ça, on va pouvoir en même temps voir. Ah, mon épée, c'est bon. Ah, sale année de biome, tempête de neige. Et puis la pluie qui s'arrête pas. Oui, je sais, hop, j'ai pas accès. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais faire parce que dans Twilight, c'est vraiment le truc intéressant, farmer les donjons. Puis il y a aussi le labyrinthe du Minotaure que j'aimais bien faire. Et du coup, là, bah, je serais bloqué si j'en trouve un. Bon, peut-être que... Oh, une sorcière. Non, là, elle a deux de gentille, elle. Elle a une couronne sur la tête. Alors si je te clique dessus, tu vas me sortir des messages tout bizarres. Ouais. Alors, je sais pas pour vous, mais moi la pluie, j'ai l'impression qu'elle me fait larguer. Encore un donjon où est-ce qu'on va pas pouvoir y accéder. Il y en a énormément. Alors il est où son dôme? Ouais, bah, j'aurais peut-être dû le noter. Toute façon, on devrait voir sur la minimap. Ah, je crois que la pluie a s'arrêté. Ah non. J'y ai cru. Alors, ça, c'est une forêt champignon. Ah là, on va peut-être pouvoir la voir. Ouais, c'est tout droit. Ah, et puis ça a l'air d'être un grand dôme. Moi j'espère qu'elles n'ont pas creusé trop profond ces tortelles. Ah ouais, je vois là. Bon, on va aller voir ça alors. Bon, en tout cas, pour la Twilight, je pense que le côté spawn a été. Et achevé pour moi. Plus qu'à mettre de l'eau et puis à quoi que éventuellement mettre des plantations. Ouais, ça serait peut-être un truc intéressant ça. Ah la vache. Ouais bah elles ont pas creusé des masses ces turtles.
Bon, allez. Alors, une tortelle ici, no fuel. Et une tortelle là-bas. Bon, bon, on va lui remplir ça. Ah ouais, oui, d'accord. Ben, que dalle. Le truc qui servait à rien. Bon, je sais pas combien de temps il reste, s'il doit rester quelques minutes. Or, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre. Allez. Hey! Bah, on se retrouve ici. Parce que, regardez, j'ai creusé un petit tunnel parce que j'ai trouvé un minchat. Minchat? Minchat? Je sais plus quoi. Minchat. Bon, bref, j'ai trouvé une mine PNJ. Du coup, j'ai creusé. Alors, je vais commencer l'exploration et puis je vais la faire avec vous. Tant qu'à faire. En même temps, je vais récupérer les rails parce que. Hop! J'ai une idée de ça qu'on va faire avec. Et si je me trompe pas, en plus de ça. Bon, on prend tout. Tout est bon à prendre. Ah, je ferai un tour dans mon coin pour récupérer. En tout cas, je vais juste mettre un waypoint. Sortie. Parce que si jamais je perds l'endroit, bah au moins je pourrai toujours. Enfin, l'endroit où je suis arrivé, j'aurai toujours le waypoint. Donc, ça a pas l'air très animé. Ouais, bon, je... Wow. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ouais, c'est un truc à voir plus tard. Mine factory. Safarinette. Moi, ouais, je sais pas trop quoi ça sert. Bon. Rien par ici, mais j'ai entendu du zombie. Attendez. Ah si, il y a une petite... un petit bout de mine. Et puis, waouh. Générer pas mal de mobs. Alors. Il est où? Aha! Et alors? Alors, je sais pas c'est quoi ça fait les effets de cette épée là. Bon, tant que ça fait mal, c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas si je peux. Non. Bon, je crois qu'il doit avoir de l'eau pas très loin. On est en dessous de l'océan. Ouais, c'est ça.